Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec un briquet. Donc, un briquet tout à fait normal. Hein. Et plein de petits trucs sympas à faire avec. Je vous retrouve tout de suite. Pour cette première astuce, il vous suffit donc d'une feuille de papier banale et d'un stylo effaçable. Donc, les stylos avec les bouts de gomme. Mais si vous n'avez pas de gomme, par exemple, hop, donc on va écrire quelque chose. Je vais écrire hop, noix. Voyez. Je vais prendre le briquet. Le passer en dessous et là magie c'est enlevé, il n'y a plus rien. Tout de suite astuce numéro 2, toujours avec des crayons ou des choses comme ça, on va créer un espèce de crayon donc avec des petits pics comme ça et donc vous allez allumer le briquet et allumer le bout comme ça là, hop, vous allumez ça et vous la soufflez. Il va falloir que vous enlevez le petit truc là. Oh voilà, ça éteint. Et là, ça donne ça là. Et là, hop, vous pouvez écrire par exemple n'importe quoi avec. Et vous avez écrit une loi. Voilà. Donc vous pouvez écrire. C'est un stylo d'urgence que si vous avez ça sur vous. Bon, voilà, c'est pas une super astuce non plus. Tout de suite, astuce numéro 3. Donc toujours avec ça, le petit bâtonnet. Donc c'est la dernière astuce. Et vous allez pareil, hop, l'allumer. Voilà. Et vous allez la souffler. Voilà. Et là, ça peut vous faire un senteur. Par exemple, vous êtes dans votre toilette, vous venez de démouler un cake. Je sais, c'est pas super stylé. Vous mettez ça et ça fait une bonne odeur voilà, dans la pièce. Donc voilà, c'était un petit top 3 avec un briquet. Donc si ce top 3 t'a plu, n'hésite pas à liker, à la partager, à t'abonner, c'est pas déjà fait. C'était Noah. Ciao.